cosa l'ha convinta della sceneggiatura e come giudica il risultato finale? Ok, pourquoi vous avez choisi ce scénario de la première ligne? Qu'est-ce que vous avez aimé J'ai beaucoup aimé le scénario, j'ai beaucoup aimé le film de Renato Di Maria. Donc mon frère et moi, nous sommes très heureux de l'avoir coproduit. Et siamo felici di averlo coproduit. Je pourrais dire beaucoup de choses sur le film. J'en ai déjà dit durant les interviews. Et ce que je dirais ici pour vous, c'est qu'il y a une scène que j'ai trouvée très belle. C'est celle où, avant de tuer le juge Alessandrini, le Sergio du film, le Sergio de la réalité, je ne sais pas, c'est pas le même, hein? C'est celui du film dont je parle. Le Sergio du film va chez son père et sa mère. Et sì, vi posso dire comunque che la cosa che più mi è piaciuta nella sceneggiatura è stata la scena in cui Sergio, certo il Sergio del film, va a casa dei suoi genitori. Va a casa dei suoi genitori e è una scena importante perché la sera prima di prendere la decisione di uccidere Alessandrini. E j'ai trouvé ça très juste parce que ce garçon est là, la décision il l'a prise. Et nous le savons, nous spectateurs, puisqu'on sait que ça a eu lieu. Et il est chez son père et sa mère. Et je trouve que c'est un moment très fort, parce que je pense que c'est dans la famille, là, d'où il vient, qu'on a appris « tu ne tueras pas ». È una scena molto forte perché lui sta per uccidere una persona e però sta in quel momento dalla sua famiglia che gli ha dato i valori della vita. Et en plus, celui au nom de qui il tue, c'est la classe ouvrière. Et son père, il en fait partie. Et en plus, sono proprio le persone per cui lui si batte, la classe operaia. Et alors le matin, il a fui la maison. Et la mattina lui scappa senza salutare. Et moi, je me dis, c'est peut-être une hypothèse qui est tout à fait subjective, mais je pense. È un'ipotesi soggettiva, lo dico io. Qu'il est parti parce que s'il restait là, il n'aurait pas. Secondo me lui aurait parlé avec son père. Se ne va senza salutare perché ha paura di vedere suo padre e ripensare alla sua decisione. E je crois que ça dit que le terrorisme il a à voir avec cette question du père. Ça je crois très fort. E quindi per me il rapporto padre-figlio ha molto a che vedere con la questione del terrorismo.